Salut à tous, moi c'est Philippe et merci de me rejoindre sur ma chaîne pour une mini-série de vidéos bien différentes des vidéos que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne habituellement, puisque celle-ci concerne le jeu Kerbal Space Program, KSP pour les connaisseurs. Alors, c'est pas du tout une vidéo sur comment on joue à ce jeu, comment on construit des vaisseaux, comment on les envoie en orbite, comment est-ce qu'on peut atteindre la Lune qu'on voit ici derrière. Pas du tout. Moi, je vais plutôt vous faire une série de tutoriels sur le mode KOS, qui est un langage de programmation en fait, qui permet de programmer des sortes de pilotes automatiques pour automatiser certaines actions, pour le décollage par exemple, pour faire des gravity turns, pour circulariser une orbite, ou bien carrément faire un voyage complet de Kerbin jusqu'à la Lune. Donc voilà, donc le but c'est de vous apprendre ce langage de programmation. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître en programmation. Moi-même je suis pas un grand maître de la programmation. On va découvrir KOS comme ça, petit à petit, et vous allez voir que en fait, même si c'est un langage très complexe, on peut avec des notions de base réussir à faire pas mal de petites choses. Le but de cette série, ça va pas être d'aller sur la Lune, mais d'aller carrément sur Mimus. Mimus qui offre un petit challenge supplémentaire puisque son orbite est inclinée de 6 degrés par rapport à l'orbite de Kerbin. Donc ça, voilà, ça nous permet d'augmenter un peu la difficulté, de voir comment on peut gérer ça avec KOS. Vous notez que j'utilise la dernière version du jeu, la 1.10.1. J'utilise également des DLC qui ne sont pas obligatoires pour KOS. Donc du coup, si vous voyez des parts que j'ai moi dans le bâtiment d'assemblage et que vous n'avez pas, c'est sans doute des parts qui viennent des DLC. J'utilise aucun autre mode, j'utilise que KOS. J'ai pas de mode graphique, j'ai pas de mode qui ajoute des parts, ni quoi que ce soit. Je n'ai vraiment que KOS, qui en théorie n'est pas compatible avec la version 1.10.1, mais en pratique, il fonctionne assez bien avec cette version-là. J'ai pas de bug à constater sur la version 1.10.1, donc il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas comment installer un mode, je vous mets le lien dans la description du site Kerbal Space Challenge, qui est un site en français. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cet article qui vous présente justement comment installer et gérer vos modes. Donc c'est un article très complet hein, qui vous indique comment est-ce qu'on trouve un mode, comment est-ce qu'on le télécharge, comment est-ce qu'on l'installe dans son dossier KSP. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, il est assez complet, il est bien écrit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y référer pour savoir comment installer un mode si vous ne savez pas. Et une fois que vous y êtes, bah, continuez à fouiner un peu sur ce site-là, qui est très bien fait, hein. Vous avez différents articles, des actualités, quelques guides qui justement vous apprendront à construire correctement un vaisseau si vous ne savez pas faire. Des fiches techniques qui sont très bien faites aussi. Et puis des challenges, voilà. Donc là par exemple il y a le challenge KSC5 qui est en cours, le KSC6 va bientôt commencer aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à jeter un œil à ce site KSC Kerbal Space Challenge pour installer vos mods ou pour plein d'autres raisons. Nous en attendant, on va commencer une partie. Donc on va faire une nouvelle partie, on va se mettre en mode bac à sable hein, pour avoir accès à tout ce qu'on veut. Donc je vais l'appeler KOS tuto. Alors avec ce mode KOS, on a accès à un nouveau drapeau qui est ici, voilà, avec le logo de KOS. Au niveau de la difficulté, je vais laisser le réseau de communication actif pour vous montrer qu'en fait, à partir du moment où notre programme est lancé, même si on n'a plus de communication active, eh bien, le programme continue de s'exécuter. C'est quand même une des particularités, un des avantages d'avoir un pilote automatique, c'est qu'une fois que la communication est coupée, le pilote automatique continue de fonctionner. Par contre, évidemment, il faut l'avoir exécuté avant de perdre la communication. Je vais même pousser le vis un peu plus loin. Dans les options avancées, je vais ici, hop, enlever les stations terrestres, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment communiquer qu'avec le CSK. Et enfin, dans l'onglet KOS, on a différentes options proposées par le mode. Je vous propose de laisser les options qui sont ici de base. Et c'est parti en route pour une nouvelle aventure. Alors, dans cette première vidéo, je vais simplement vous montrer les parts qui sont disponibles avec KOS. On va pas du tout regarder le code pour ce premier épisode.
C'est juste une présentation des parts et du mode. Alors, Gene Kernan nous souhaite la bienvenue. Quand vous commencez une nouvelle partie avec KOS, vous avez ce truc-là. En fait, KOS peut gérer la communication entre plusieurs vaisseaux. Donc, soit on accepte que la communication se fasse sans problème, soit on impose que la communication se fasse seulement si les deux vaisseaux sont connectés via un réseau Comnet. Donc, hop, moi je vais faire ça. Honnêtement, ça ne va pas nous servir dans ce tuto puisqu'on ne va gérer qu'un seul vaisseau. Donc, on n'aura pas de problème. Vu qu'on est en mode bac à sable, tout est débloqué au maximum et donc je rentre dans le BAV pour vous montrer les parts disponibles. Nous sommes accueillis par Werner von Karman. Nous avons bien compris ce qu'il nous dit. Donc, première chose, on remarque ici qu'on a un petit onglet KOS qui ne nous servira pas dans le BAV, qui nous servira surtout quand on sera sur le pas de tir. Donc, je regarde pas plus en détail. Alors, je vais juste. Hop, je vais mettre une sonde, la première qui me tombe, donc là c'est l'ex. Hop, on zoome un petit peu et on va regarder quelles sont les parts qui sont offertes par KOS. En fait, elles se situent ici dans Commande et Contrôle. Vous avez quatre parts, elles sont là. Et ces quatre parts, donc là celle-ci elle coûte 2200, mais toutes les autres coûtent 1200. Donc je vais vous présenter ces quatre parts et je vous les présenter dans l'ordre dans lequel elles arrivent dans le mode carrière. Si jamais vous lancez un mode carrière, vous n'aurez pas accès à toutes ces parts-là de KOS, évidemment. Vous les aurez accès au fur et à mesure que vous les débloquez. La première qui est débloquée, et qui est débloquée dès le début, il me semble, c'est celle-ci, la KR2042. Hop, voilà, une petite part sympathique. Moi j'aime bien la mettre dans ce sens-là plutôt. C'est pareil, hein, ça change strictement rien. Voilà, alors en fait ces parts-là sont des sortes de micro-ordinateurs ou. Ouais, ils appellent ça des scriptable control system, donc on va appeler ça des disques durs, si vous voulez. Bon, en fait, c'est un micro-ordinateur. Et ils ont du coup un espace mémoire alloué. Donc ici, celui-là par exemple, à 5000 octets de mémoire allouée. Alors 5000 octets, ou bien on peut augmenter à 10 000, ou bien je peux augmenter à 20 000. Et vous voyez que à chaque fois que je change la capacité, ça va changer aussi le coût. C'est-à-dire que là, en augmentant la capacité de mémoire, je vais devoir payer un peu plus cher mon composant. Et il va peser un tout petit peu plus lourd, pas grand-chose, 0,7 kg en plus, sachant que de base, il pèse 0,08 tonnes, donc 80 kg. Donc c'est pas grand-chose. Mais il faut l'avoir en tête que si je veux une plus grande capacité, ça vient avec un coût en argent et un coût en masse. Quand un programme est exécuté, il va consommer de l'électricité, et ici il va consommer 0,04 électricité par seconde. C'est pas énorme, mais ça peut faire quand même une différence dans votre construction, donc faites attention à ça. On voit que celui-ci on peut allumer la lumière. Si j'allume la lumière, ici on a un vert un peu pâle. Hop, voilà, si je le mets un maximum, on a un vert ici plus clair. Je peux mélanger avec du rouge pour faire du jaune, voilà, je peux enlever le vert, avoir le rouge. Faire du violet, bon, voilà, si vous voulez jouer avec les lumières, vous pouvez. Moi j'ai tendance à pas utiliser les lumières, mais il y en a qui aiment bien, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous voulez. Vous pouvez du coup obtenir les couleurs de votre choix grâce au système RVB. On remarque aussi que cette part vient avec 5 unités de charge électrique. Hein. Pour rappel, cette probe là de base elle est à 10. Donc celle-ci est à 5. Part suivante que vous débloquez dans mon carrière, c'est celle-ci. Hop, celle-ci, oh, elle est un peu plus grosse, je vais la caler en dessous. Alors en fait, celle-ci a un diamètre de 1,25. C'est-à-dire que si par exemple, si je prends un TD12, hop, voilà. Voilà, vous voyez que ça se cale parfaitement. Et l'autre, si je prends un TD06, le TD06 est légèrement plus grand que la part qui est ici. Voilà, je range mes découpeurs qui me servent à rien, mais voilà, au moins vous voyez en tout cas quelle taille ça a. Donc c'est pas très grand, hein, c'est-à-dire que si vous êtes à un moment de votre carrière où vous faites un gros vaisseau, vraiment ça va représenter une toute petite taille par rapport à votre vaisseau. Hein. Alors, l'avantage de celle-ci, donc là ici on avait vu pour le petit, de base on commençait à 5 000, puis on pouvait aller à 10 000 et puis 20 000. Celui-ci on commence directement à 10 000. On commence directement à 10 000. On peut doubler à 20 000 ou doubler à 40 000. On voit que le coût ici, pareil, augmente. Donc là, si je veux augmenter à 20 000, je vais augmenter le coût de 244 et la masse de 0,05 kg. Et pareil pour 40 000. Même chose, c'est pas énorme,
Mais il faut savoir que augmenter la capacité de mémoire revient à payer quand même des coûts supplémentaires. La dépense est toujours la même, 0,04 énergie électrique par seconde, et il y a 5 unités de charge électrique aussi là-dessus. Alors la différence là entre les deux, au-delà de la capacité de mémoire qui est la plus importante des différences, c'est que pour celui-ci vous aviez de la couleur, là vous n'avez pas de couleur possible. La part suivante que vous débloquez plus tard dans le mode carrière, c'est celle-ci, le Compomax Radial Tubolex. Alors vous l'avez peut-être deviné avec le titre et puis avec la forme de la part, c'est que cette part-là va se placer en radial. Donc si je la sélectionne, vous voyez la taille qu'elle fait, et elle vient se positionner en radial. Alors elle n'est pas très lourde, hein, elle pèse 0,03 tonnes, donc du coup le fait d'en placer qu'une seule et pas en placer deux en symétrie, ça va pas vous déséquilibrer le vaisseau. Hein, je sais pas pourquoi je parle de bateau, mais... Donc ça vous déséquilibrera pas le vaisseau, donc pas de souci par rapport à ça. Celle-ci, je vous l'avais dit, hein, elle coûte un peu plus cher. Elle coûte 2200, alors que les autres sont à 1200. Elle coûte un peu plus cher parce que vous avez ici un panneau solaire intégré. Ce qui veut dire que vous avez ici une charge électrique, vous allez pouvoir recharger vos batteries à hauteur de 0,5 unités électriques par seconde. 0,5, c'est pas si mal, puisque quand on regarde les panneaux solaires de base, ben vous voyez, ils sont à 0,3 par seconde. Donc 0,5, c'est plutôt intéressant. Alors c'est pas ça qui va recharger toutes les batteries de votre bateau et de votre vaisseau, mais voilà, faites attention, ça peut être utile. Alors hop, si j'ouvre la fenêtre, vous voyez que celle-ci, par contre, le vrai avantage surtout, c'est qu'on commence avec 60 000 ici de capacité en octets, donc 60 kilo-octets, alors que là le maximum était de 40 000. Donc là on commence à 60 000 directement. Je peux doubler à 120 000, et là par contre, vous voyez que le coût est quand même beaucoup plus important, il est à 1465. Pour 0,29 kg en plus. Par contre, la dépense énergétique est la même, 0,04 énergie charge électrique par seconde. Vous voyez que là, on n'a pas accès à la lumière. Pour celui-ci, il n'y a pas de lumière possible. Et autre différence, c'est que là, il n'y a pas de réserve de charge électrique. Donc voilà, donc on a un petit panneau solaire, mais on n'a pas de réserve de charge électrique. Je vais le remettre à 60 000. Et enfin, le dernier que vous allez débloquer bien plus tard dans la carrière, qui coûte pas très cher et qui pèse, regardez, 0,0005 tonnes, c'est-à-dire que ce truc-là pèse 500 grammes, c'est-à-dire rien du tout. 500 grammes, mais par contre, il est très puissant puisque, comme vous pouvez le voir tout de suite, il a directement de base 255 000 octets, 255 kilo-octets de mémoire disponible, alors que ici le maximum était à 240 000. Pour un coût, 240 000 pour un coût supplémentaire de 4395. Donc ici on paye 1200 et on a déjà 255 000 octets de disponible. On peut doubler à 510 000. Vous voyez que là le prix est vraiment élevé, hein. Plus 5226, 6226. Et si je double encore, là je suis à plus 18 677. Donc là, on est vraiment à un prix très élevé. Cela dit, quand vous allez débloquer cette part, vous serez tellement avancé dans votre carrière que sans doute que vous pourrez vous permettre de payer ce prix supplémentaire. On voit qu'au niveau de la masse supplémentaire, plus 3 kg au maximum, plus 3,74 kg, c'est pas énorme. C'est beaucoup par rapport à la masse initiale de ce disque dur. Mais c'est pas énorme par rapport à la masse de votre vaisseau. Là, on a le droit de remettre de la lumière. Voilà, comme le tout premier, on pouvait avoir de la lumière. Là, on peut avoir de la lumière. Donc, si j'allume la lumière, vous voyez que ça s'allume ici, au centre. Et si j'intensifie, bon, voilà, c'est une lumière qui irradie un peu, beaucoup. Voilà, le vert et le bleu pour le plaisir. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez mettre de la lumière si vous voulez, moi je vous ai dit je ne joue pas avec, mais pas de problème, vous pouvez jouer avec. Donc voici pour les 4 disques durs, hein. Donc le premier qui commence avec 5000 octets de disponibles, puis 10 000, puis 20 000. Le suivant qui passe de 10 000 à 20 000 à 40 000. Le suivant qui se positionne en radial, qui commence à 60 000, puis 120 000, puis 240 000. Et enfin le dernier qui est tout petit, qui se place en radial aussi, mais en fait vous pouvez vraiment le placer n'importe où, et il prend pas énormément beaucoup de place. Et là, celui-ci, il est donc à 255 000,
puis 510 000, et puis 1 million 20 000, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 1 mégaoctet de mémoire. Quand vous aurez besoin de 1 mégaoctet de mémoire pour écrire des scripts KOS, c'est que vraiment vous aurez des scripts très 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 complets qui peuvent vous emmener à l'autre bout du système de Kerbin. Voilà pour la présentation de ces parts, et en fait c'est pas totalement terminé parce qu'il y a une petite part qui est cachée quelque part. Ici dans les utilitaires, vous avez accès à une Cherry Light. Alors là, le visuel n'est pas très joli, mais si je l'emmène, hop, ma Cherry Light est ici, et voilà, c'est une sorte de petit gyrophare assez sympa, coloré, voilà, ça tourne. Donc, ceux qui ont de l'imagination dans la construction de leur vaisseau ou de leur station spatiale en orbite, ce genre de choses, ou dans leur base qu'ils vont mettre sur Duna par exemple, ben voilà, n'hésitez pas à mettre une petite Cherry Light, c'est assez cool, ça c'est sympa, ça sert pas pour la programmation de KOS. Mais voilà, c'est un petit bonus comme ça, assez rigolo, on peut changer la lumière aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, si j'éteins la lumière, ça s'arrête de tourner. Voilà. Donc là par contre, j'ai vraiment fait le tour, on a bien les 4 disques durs disponibles, puis cette petite part bonus. La dernière petite chose que je vous présente dans l'introduction de KOS, c'est que quand vous cliquez sur une part, maintenant vous avez un nouveau menu, alors en anglais, parce que KOS n'est pas traduit en français. Ce nouveau menu, Change Name Tag, pourra servir dans la construction de vos scripts. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur la sonde, voilà le ex probodoline, ici, son nom technique, c'est KOS, c'est Probe Core X.V2, vous voyez, KOS Name Tag. Donc Probe Core X.V2, c'est le nom technique de la sonde sans installer KOS. Vous avez toujours un petit nom comme ça technique pour chacune des parties. Ben, du coup, si vous trouvez que ça c'est un peu compliqué à retenir, vous pouvez l'appeler sonde, par exemple, ou bien vous pouvez l'appeler probe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous lui donnez un nom, vous pouvez l'appeler même ex directement, hein. Et du coup, ça vous facilitera en fait quand vous aurez besoin de faire appel à une fonctionnalité particulière de cette part, et ben, avec KOS, et ben, du coup, plutôt d'utiliser son terme technique, son nom technique, vous pouvez utiliser le tag que vous lui avez associé. Ce sera plus facile pour retenir et puis pour lire votre programme. Au bout d'un moment, si vous faites accès à plein de parts et que programme, il y a plein de trucs un peu bizarres, de noms compliqués, bah, si vous donnez votre propre nom, ça sera sans doute plus facile. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation. Dans la deuxième vidéo, on attaquera vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on construira un tout petit vaisseau et on commencera à programmer un petit code pour voir comment est-ce que je peux faire mon pilote automatique à l'aide de KOS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur KOS, qui est vraiment un mode très sympa à utiliser. Et donc je vous propose qu'on se retrouve dans l'épisode numéro 2 pour lancer une première fusée à l'aide de KOS. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur le petit pouce bleu, et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao!